Putain, il me considère encore sur une monture. Il chante ce bug. D'accord, ok. Mais non, mais c'est pas vrai, j'ai encore ce bug là. Non, sérieusement. Ah, il y a peut-être une réinitialisation des PNJ. C'est pour ça que ça a disparu, c'est revenu. Bon, par contre, ce bug, sérieusement, ça me saoule. Attendez, alors ça, par contre. Sans déconner? Non. Bon, ça a l'air d'avoir résolu le problème, mais. Mais j'avais l'impression que ça réinitialisait du coup les. Non, non, c'est juste une impression. Ah ouais. Ah ouais, genre toi? Je dois m'approcher. Ouais, bah ouais. Ah ouais! Ah ouais, mais il tape à 26 000! Ah d'accord! Ah ouais, ah non, mais oui, non, mais. À ce niveau-là. Ok, lui par contre, on s'en bat les steaks. Quoique, à mon avis, il doit looter pas mal d'expérience aussi, mais. Là-bas. Attendez, si je fais pas de bêtises, si je fais ça, puis ça, non, non, bon. Ah, il y a. Salut. Ah, j'ai plus le bug de. Où il considère que je suis encore sur une monture alors que je le suis plus. C'est bon, j'ai récupéré le. Ok, donc ça c'est bon. Il me reste plus que les collecteurs temporels.
Vas-y, en même temps je m'en fous, hein, je... Je vais suivre cette chasseuse de démons parce que... Voilà, on rapporte un peu d'XP. Bon. Ah, là. Voilà. Oh, puis on a fait le tour. Et je suis à la moitié de mon niveau 67. Oui. Laissez-moi vous aider. Ça s'est plutôt bien passé. Vous tentez. Voilà la personne dont je t'ai parlé. Nous nous connaissons. C'est une recrue des plus prometteuses. Bien. Il me faut juste un petit point stuff. Ouh. Il est bien ce futal. Une baguette. Non, c'est un jouet. Utilisez votre collection. Ok. Why not? Ça, on s'en tape. Il y a ça. Et ça. Mais j'avais pas récupéré un bijou arrivé à un moment. Là, ça. C'est ça. Ah, puis il est mieux que ce qui m'était promis. À la place du rubis du don de vie. Donc celui-là. Voilà. Il level 312, mesdames et messieurs. Hein, ça commence à tabasser, là. Moi, je dis, ça commence à tabasser sévère. J'allais dire, est-ce qu'il y a un vendeur dans le coin, mais après, je peux toujours invoquer mes montures. Oui, j'ai le temps, pour l'instant. Comme la première fois. Ah, oh, c'est pas vrai, excusez-moi. Hein. Et un chat dans la gorge. La surveillance des voies temporelles est une charge très dangereuse. Vous n'êtes pas un marcheur du temps, mais l'ambassadrice Chronomu a entière confiance en vos capacités. Cela étant dit, il vous faut veiller... Non, mais c'est pas vrai. Il nous faut veiller à votre sécurité, et pour ce faire, vous allez devoir suivre une formation adéquate. Malheureusement, nos instructeurs manquent encore à l'appel. Je vais donc faire de mon mieux pour vous aider. Voyons comment nous nous débrouillons. Vous et moi, l'ambassadrice Cornu compte sur nous. Ok. Bon. Je serai le nez dans mes tuyaux et moi. Toi aussi, si Azerathel. Ah, si seulement nous pouvions atteindre une époque où nous maîtrisons déjà la magie du temps. Venez me voir quand nous pourrons commencer. Ouais, voilà, c'est... Ça, ce que tu viens d'énoncer, là, c'est un paradoxe. Mes livres me manquent déjà. Ce bâton peut canaliser l'énergie temporelle d'une source. Essayez donc, je vous prie. Bien. Le bâton peut aussi diriger l'énergie récoltée sur une cible comme celle-ci. Excellent. Maintenant, essayez de concentrer l'énergie du bâton pour envoyer cet artefact à son époque. Attention, ça va chauffer. Allez-y doucement, toutefois. Retour.
vers le vide. Ah ouais. Les années passées ont vu des bouleversements sans précédent pour les terres éternelles de Kel'Thalas. Les elfes de sang, suivant les ordres de leur chef dément Kael'thas au soleil, ont puisé dans les genres magiques du chaos pour transformer leur puits de soleil en portail maléfique. Kael'thas et ses maîtres démoniaques ont été vaincus, et c'est une autre transformation qu'a connue le puits de soleil, grâce au sacrifice d'un Naharu qui a donné sa force vitale pour réanimer le puits comme fontaine d'énergie sacrée. Aujourd'hui, le régent des elfes de sang, Lortomar Théron, voit poindre un nouvel espoir pour son peuple. Avec le temps, la lumière du puits de soleil pourrait guérir les elfes de sang de leur malédiction. Mais beaucoup hésitent à renoncer au pouvoir qu'elle leur confère. Vous comptez parmi les rares elfes de sang survivants et devez combattre pour protéger Kel'Thalas et racheter l'âme de votre peuple. Oh, le coup de vieux! Oh, le coup de vieux! Oh, bordel! Ce sont des choses qui arrivent. Pour autant, il nous faut regagner le présent. Oh, j'ai pas envie. Oh, là, ça me rappelle des souvenirs. Il est grand temps d'y aller. Oh, bordel! Oh, bordel! Erona. Gloire. Rentrons à présent. L'heure de la... Oh, mais non! Oh, ma Madeleine de Proust! Ma Madeleine de Proust! Je veux y retourner! C'était la bonne époque! Oh merde. Alors pour ceux qui voilà qui n'auraient pas joué avant bah avant BFA plus ou moins parce que maintenant quand on joue on a une île qui nous monte jusqu'au niveau 15 voilà, mais au départ les elfes de sang ont commencé là-bas. Quand on crée un elfe de sang, on débutait du coup voilà sur l'île du Haut-Soleil et nos premières quêtes c'était ici. Et oh, cette Madeleine de Proust. C'est vrai que j'y ai pas refoutu les pieds depuis très très longtemps. En fait, j'y avais refoutu les pieds à une époque, c'était pour créer le... Pour créer notre guilde. Ah la vache, ah la violence. Oh, ça fait du bien. Oh putain, puis la cinématique, surtout revoir la cinématique. Ah oh, oui. Si tard, déjà, vous savez où me trouver. Eh, d'où le titre de la quête, putain, comme la première fois. Mais ouais, c'est une des premières... Quand on joue F200, c'est une des premières... C'est la première cinématique qu'on voit quand on crée un F200. Oh là 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 là. Ah, ça m'a... Ouf. J'ai à me prendre 15 ans dans la gueule, hein, mais c'est pas grave. Ça fait plaisir. Je pense à peu près 15 ans, ouais, c'est ça, ça doit être ça. Oh la vache. Oh la violence. Voilà qui était tout à fait inattendu. Comme vous pouvez le constater, la manipulation de la magie temporelle n'est pas sans danger. Bien au contraire, si ça ne tenait qu'à moi, je vous examinerai pour constater les effets de votre petite mésaventure. Mais le temps presse et nous avons plus important à faire. Je veux y retourner. Voilà l'effet que ça me fait. Bordel. Ça faisait longtemps. Malgré cette petite mésaventure au cours de votre formation, je pense que vous êtes enfin prêt à nous aider. Avec les distorsions temporelles dans la vallée, de nombreuses époques ont commencé à croiser
La nôtre, nous ne connaissons pas encore la raison pour laquelle les lignes temporelles sont reliées à ces et c'est inquiétant. Nous devons en apprendre davantage. Voyez si vous trouvez quelque chose sur les créatures provenant d'autres lignes. Leur passage dans les voies temporelles a certainement laissé des résidus. En les étudiant, nous pourrons peut-être trouver un moyen d'endiguer la crise. Récupérer 100 résidus temporels, la vache, sur les adversaires perdus dans le temps, dans les sables changeants. Vous savez où me trouver. Ah, non, oui. Ah, non, mais c'est bon. Boum. Encore ce bug, mais c'est ouf, mais c'est... Genre des murlocs. Il y a des murlocs ici. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Décidément, je fais pas attention à mon marcheur en ce moment, hein. Non, c'est pas ce que je veux ça. Ah, s'il te plaît. Voilà, récupère la vie quand même parce que... Ouh. Ah ouais, en même temps, ces mobs-là, ils ont masse de vie.
Les murlocs, les murlocs. Ah, ce cri. Ma compagne n'a toujours pas rencontré de murloc dans le jeu, alors que c'est quand même les créatures les plus emblématiques de World of Warcraft, quoi. Je veux dire, leur cri... c'est quand même ce qui fait un petit peu le sel du jeu. Pour ça qu'on aimerait en croiser un peu plus souvent des murlocs, je vous avouerai, ça fait partie des mobs quand même que... dans World of Warcraft qu'on croise normalement assez souvent et... Oh! Du tramsort de qualité! Bon, bah écoutez. C'est... Ah non, il m'a pas loupé de résidus lui! Le petit bâtard! Genre maintenant, en plus, il y a des bulles qui apparaissent avec leur. Avec leur cri. Yes. Ah merde, il y avait une deuxième quête là, je l'ai pas vu. Ensemble, on y arrivera. Les marcheurs et marcheuses du temps dignes de ce nom ne laissent jamais une situation de crise à moitié résolue. Pourquoi attendre et peser le pour et le contre quand nous avons déjà tous les outils à notre disposition? Puisque c'est vous qui avez mon bâton, je m'en suis procuré un autre pour mon usage personnel. Je doute qu'il manque à qui que ce soit. Nous allons donc nous associer pour nous occuper de ces brèches. Et régler le problème une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes les fois. Je n'ai pas encore trouvé le mot adapté à cet imbroglio temporel. Qu'est-ce que vous en dites? Cela devrait donc fermer les failles temporelles des sables changeants. Ok. Partir pour ces failles. On se retrouve sur place. Mes livres me manquent déjà. Ouais, tiens, je serai le nez dans mes livres. Il y a une baguette là à récupérer. Ah non, c'est une bague, autant pour moi. Et... ouais. Ouais. Ah, c'est parce qu'il y a plus 41 d'endurance, hein, franchement, parce que... Et puis là, attends, la hâte, elle est balèze aussi, j'avoue, mais... Mais je gagne pas de ouf, je gagne qu'un e-level, hein. C'est pas génial. Après, c'est qu'une bague, hein. Je vous dirais. Bon. Bon. Du coup... Quoi? Ok, d'accord, le joueur a disparu, j'ai pas compris. Ça devrait être un jeu d'enfant. J'ai l'impression que quand je suis en monture et quand je suis hors monture, en fait, je suis sur deux cartes un peu différentes. C'est bizarre. Comme si j'étais à la fois comme si quand j'étais en monture, je passais en mode guerre ou un truc du genre. Qui émane de cette faille a quelque chose de primordial. Je sais quoi faire. En fait, quel est le problème? Ça se présente mal. C'est moi ou un murloc vient d'être absorbé par cette ligne temporelle?
Il me flingue. Je vous laisse refermer celle-ci. Je vous laisse refermer celle-ci. Allons bon, qu'en suis-je? Pour vous, je trouverai le temps. Allons bon, qu'en suis-je? Qu'en sommes-nous? Nous devons trouver le temps. Que faisiez-vous dans cette faille temporelle? C'est une longue histoire. Oh, Dante va adorer. Je suis toujours prête. On a réussi ? Il n'y a pas de temps à perdre. Je suis désolé, hein. Entre ma dent qui me fait mal et cette toux qui m'en... kikine. Mais... À dans quelques temps. Attends, comment ça se... Comment ça je peux l'attaquer, lui? Un million de points de vie, hein. Et c'est un élite. Je sais pas trop pourquoi je peux les attaquer, mais... oui, c'est toi que je voulais. Prenez tout Hop. Votre temps. Genre, il y a ça aux enchères. Mais pourquoi faire? Il y a des mecs qui essayent de vendre tout et n'importe quoi aux enchères, j'ai l'impression. Nous nous reverrons. Soyez sur vos gardes. Alors, les incursions répétées fragilisent cette ligne temporelle et menacent de la briser. Si seulement nos effectifs de marcheurs du temps étaient au complet. S'il est vrai que vous ne maîtrisez pas encore totalement le maniement du bâton, vous nous prêtez d'une aide précieuse, encore un petit effort... Et vous nous serez encore plus utile. En temps normal, je vous imposerai une formation exhaustive, mais nous vivons une époque anormale. Prenez ce parchemin de connaissances avancées et servez-vous-en pour vos adversaires. Faites vite cependant, car ces effets ne sont que temporaires. Le temps passe. Ravi de vous revoir en un seul morceau. Que s'est-il passé? Nous défendions la confluence temporelle quand des fissures temporelles se sont ouvertes et ont fini par nous attirer. Et qu'en est-il des autres? Je l'ignore. Je n'ai vu personne d'autre là où je suis allé. Où avez-vous atterri? À une époque très similaire à la nôtre. Et très différente à la fois. Mais encore? La ligne temporelle était chamboulée. Tout y était détruit. Il ne restait pas grand-chose à sauver. Réjouissant. Et donc ça fait quoi? Je sais pas trop, mais bon. Avec honneur.
Ah mais putain, d'accord, j'ai hâte de comprendre. Non, bon. Ça a rien fait. Je suis hors de portée. Oh. Alors heureusement qu'avec la cascade, il était plus en surbrillance parce que je l'ai raté. Ah mais je peux activer ça. D'accord. Alors j'avais pas vu. Et j'ai pas vu non plus combien de pourcentage ça m'avait77%. Je dois m'approcher. Votre faiblesse en force notre qui pue. Mm-hmm.
Allez, plus qu'un mob et c'est bon. Putain, on s'est manqué de respect par un canard là. Il n'y a pas de temps à perdre. Ouais. Oui, j'ai le temps. Pour l'instant. Alors, grâce à vous, nous avons repris l'avantage du sol, mais je sens que nous ne sommes pas au bout de nos peines. Sur les plateformes du temple, envolons-nous et retrouvons l'ambassadrice Chronomou. Comme toujours, le temps presse. Je sais pas ce que c'est que ça. Nous allons gagner les plateformes du temple. Rejoignez-nous là-haut, dès que possible. J'y serai avant toi, Tanté. C'est recru. Que cela prenne un jour ou un millénaire, l'avènement de notre seigneur Mourozon est inévitable. Jamais! Le seigneur Nosdormu compte sur moi! Nous nous reverrons. Oh, bonjour! Vision est arrivée trop tard. Elles ont ouvert un tunnel temporel, dans lequel elles sont condamnées à tomber encore et encore à travers l'infinité des possibles. Vous devez les retrouver et corriger leur trajectoire avant que toute la trame de la réalité ne se déchire. Donc il restait bien un truc. Bon, à mon avis, j'ai déclenché ça un peu trop tôt, mais... Marchand du temps scellé par le temps. C'est la comble. Vous arrivez à Phonomé, j'ai besoin de vous pour stabiliser la situation sur les plateformes permettant de donner... C'est trop long! Libérez 8 marchands temporels. Trop long! Renforcez votre bâton de marcheur du temps avec les cristaux et les... Est et Ouest. Ok. Voilà, c'est ça. Oh putain, je les ai pas vus. Je n'ai pas de cible. D'accord. Je sens qu'il va encore y avoir le bug, alors attends. Ouais, c'est bien ce qu'il me semble.
C'est un bordel. Ah d'accord, c'est là le truc. Oups! Ne vous en faites pas! On trouvera bien un moyen de remplacer ces cristaux! Enfin, peut-être! Ouais, mais non. Allez, on va foutre encore plus le bordel. Yes. Exactement ce qu'il fallait. Bientôt niveau 68, hein. On progresse, et j'ai encore un peu de temps de tournage. Oui, du coup, je voulais... Ouais, on va traverser...
Ouais, j'aurais pu voler. Il n'y avait pas de bulle. Ah. Attendez une seconde. Là, j'ai pas vu. J'ai pas vu, mais il y a une quête ici. Si tard, déjà. Tu es les élémentaires du temps. Ça faisait longtemps. Ça va parler de temps tout le temps, en fait, c'est ça? Putain, ça me flingue. Sortez-moi de là. Ok. Je l'ai pas vu. Ah, et du coup, d'accord. Le temporal loom, il était là-bas. Il est là. Donc ça, c'est si on choisit de prendre le tram temporel. Faut que je suis dessus, bien sûr. Donc ça, bien sûr, ça concerne hein, seulement si vous êtes couturier. Hein. Quel bordel. Allez, c'est le dernier à sauver. Et après, j'ai plus qu'à faire un massacre. En vrai, on va rester là.
Je dois m'approcher. Je suis trop loin. On va continuer à tuer le temps. Non mais c'est pas moi qui fais les blagues là, c'est le jeu. Hein. Qui fait des blagues à la con. Ah ouais, c'est bon. Je vais quand même tuer ces deux mobs là. Alors qu'est-ce qu'on a de la merde. De la merde. C'est quoi ça? C'est... tenu en main gauche. Ouais, c'est de la merde. Du coup, prix de vente 90. Bah, on va prendre ce qui coûte le plus cher, hein, parce qu'on va le revendre. Ok. Ok. Avant de continuer, j'ai besoin d'une toute petite pause. A tout de suite. Ok, on est reparti. Alors...